Salut les amis, c'est Juani. Donc on se retrouve pour une vidéo où on va ouvrir ce magnifique coffret lance-roi. Voilà. C'est comme vous avez vu dans ma dernière vidéo, je suppose j'en ai eu deux. Pourquoi je l'ouvre l'une par l'autre? Je vais finir les sceller. Parce que lui, elle pousse à son fura. Et que je préfère enregistrer son fura que le lecteur. Mais le lecteur, c'est mon deuxième préféré. Ouais, je pense égal. Mais donc voilà. De toute façon, les gars, j'ai dit, ce coffret-là, je vais ouvrir que les deux boosters. L'autre booster-là, je le garde scellé. Parce que ça m'intéresse pas. Donc voilà, j'espère retrouver du célébration. Dans le magasin, il y en a encore un peu, mais c'était soit ces coffrets-là, ou des mini-kings. Je pense que j'irai peut-être au point aujourd'hui, inutile mini-kings, qui ne limite pas personne. Donc voilà, j'ai le seum, si vous n'avez pas vu la vidéo, en gros, genre, il restait un coffret d'infallie, c'est un petit 5 ans qu'il a pris. La dame lui a proposé, il a dit oui. Donc là, on peut le seum, je reviens un coffret d'infallie. Donc les gars, surtout bien pour la vidéo, à tout de suite. Donc les amis, voilà. Ce coffret-là, je l'ai à Cultura, les gars. Cultura pour 21€. Moi, c'est qui derrière, c'était le dernier. Ce coffret-là est très bien, mais il est bien à acheter qu'une fois. Genre, il est bien à acheter qu'une fois parce que, en fait, tu payes plus le classeur qu'autre chose. Pour moi, ce coffret-là devrait contenir un 3 boosters comme ça et un autre, mais il est bien ouvert qu'une fois. Donc, on va le voir directement. J'espère vraiment retrouver d'autres coffrets. Alors, les gars, les coffrets sont vraiment magnifiques par contre. C'est vraiment ce coffret que j'ai quand même un assez gros budget là. Comme vous avez pu voir, j'ai réussi à choper ça. Ça, je pense pas, je vais l'ouvrir. Si elle est très belle, les 3 boosters de combat qui rendent ma collection de scellés aussi. Là, j'ai l'impression que tout ce que je trouve en magasin, c'est pas du tout bien pour ma collection de scellés. Du coup, ça fait quand même une petite vidéo pour comme quoi j'ai acheté des trucs, mais c'est pas du tout forcément hyper cool pour les ouvertures. Donc, ok, les gars, voilà le coffret, on pose ça à côté. C'est vraiment de la, oh là là, la chance. Donc, directement. On va au niveau des codes, les gars, je vais les garder. Voilà, c'est la première fois que j'en ouvre. La magnifique carte jumbo Lansorien. Oh, elle est belle. Hein. Oh, elle est belle, belle, belle. Lansorien Prime. Très, très, très beau. Le petit carnet qu'on va aller voir. Sur l'état, normalement, il y a 50 places pour les 50 places de la truc. Oh, il y a un petit truc. Bon, bah, c'est cool, les gars. Il est un peu cassé. C'est. Ouais, il est un peu cassé, c'est cool les gars, c'est sympa. Ouais, il a un... Je pense que c'est mal coupé, ouais c'est bon les gars, ça se voit pas. Donc voilà le petit, c'est vraiment cool pour mettre toute la collection. Voilà, c'est très 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 cool. D'à côté, et là maintenant on va regarder ça, c'est parce que je sais pas. C'est sympa ça quand même. Pokémon Prime, je vous laisse lire si vous voulez. Ah ouais, un Earn Gold, putain c'est... Très sympa, c'est très 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 sympa. Donc attendez, on va enlever ça, on va poser tout ça, on peut le bordel sur mon bureau, la vidéo va durer je pense 5 minutes, même si je pense que, sans, je vais pas vous mentir, si la vidéo dure un peu plus longtemps que même s'il n'y a pas beaucoup de boosters. Pourquoi? Parce que c'est la première fois qu'on a les boosters. La première fois que j'ouvre du célébration, et je trouve ça vraiment dommage que dans ce coffret là, il n'y a que... que 5 boosters, parce que 2 boosters déjà. Parce que genre le coffret d'Infali, il y a 6 boosters, genre pour un peu plus. Genre pour 5 euros de plus, et genre j'espère parce qu'il en restait plus qu'un et quelqu'un l'a pris juste avant moi, mais pour moi ils auraient dû mettre 3 boosters célébration et un booster autre. Voilà. Voilà, petite carte promo magnifique qui rentre dans la collection. Et sur les 2 boosters là, j'espère au moins un reprint, c'est vraiment cool. Un petit reprint. Ça veut dire. Ah oui, et le petit jeton, j'allais oublier. Un reprint, ça c'est dans les avant-dernières cartes, normalement. Voilà, très très beau. Oh, c'est sympa quand même, c'est différent d'un peu. Un petit reprint, c'est vraiment cool. Si j'arrive à avoir une petite carte V ou Vmax autre, je prends aussi. Donc, voilà les gars, les boosters. C'est que moi je compte pas ouvrir les runes de glace, je vais garder celle-là, ça m'intéresse pas. Ça se trouve plus tard à Noël, je ferai une grosse ouverture où je l'ouvrirai. Mais là pour l'instant, ça m'intéresse pas de l'ouvrir, donc je vois juste là. On va commencer directement. On va commencer à ouvrir celui-là, les gars. C'est que fou. On espère vraiment de la chance. Oh, attends. Regardez, si on peut l'ouvrir pile poil et le garder propre, le booster, ça serait parfait. Okay, il est méga propre, le booster. Oui. Ok. On pose tout ça là. Regardez-moi. Comme il est méga propre. Je le garde dans ma collection de boosters comme ça. Donc, quoi donner, je garde. Je pense plus tard, si j'arrive à en retrouver plein mal, je. Garderai pour moi, ok. Oh les gars,
C'est comme dans la vidéo que je regardais. Selon la vidéo va durer 5-6 minutes. Roudon, très très belle carte, très belle holo. Ça va aller très vite. Oh, Yveltal. Attends, je vais redire déjà un peu la lumière, ça va passer très vite. Les gars, parce que je joue que deux boosters du coup. Yveltal, j'espère vraiment retrouver d'autres boosters. Yveltal, derrière. Oh. Ouh, faux professeur Shen en reverse. C'est un reprint, même si je pense que c'est le mon beau des reprints. Et derrière, rien du tout. Minou. Oh, le petit Minou. Bon, on va mettre tout ça sur le clip parce que comme je n'ai jamais ouvert. Bon, voilà. Moi, j'espère vraiment avoir le Noctalistar. Il est vraiment trop beau. Ok, déjà on a une petite 4 print. Mais j'avoue que je pense qu'on aura, dans l'autre, on n'aura pas grand chose. C'est que j'espère vraiment qu'on ait encore un reprint. Ou des belles cartes, parce que c'est un beau reprint quand même. Mais alors, c'est pas le plus beau reprint, je le trouve. Même si il est très très beau. Je vais vous remontrer, les gars. Toutes les cartes que j'aurai en dos, je mettrai à l'échange ou à la vente. Regardez comme il est beau. Ah ouais, t'as l'effet full art. Attends, je vais toucher. Ah ouais, les gars, ça fait bizarre ce côté. Ça fait une carte ancienne, mais à la fois full art. Ok, les gars, je pose tout ça là. Ok, allez, on va voir l'autre booster. On va faire un autre print. Ok, hop, les boosters sont méga quali. Hop, il est un peu moins que l'autre, mais quand même pas mal. Olé. Reshiram. Pour moi, Reshiram et Zekrom, c'est les plus beaux. Elle est magnifique, les gars. Derrière. Groudon. Oh, c'est un peu dommage qu'on l'ait deux fois. Très très belle. Et derrière. Oh non, rien du tout. Cosmog. Oh non, ça fait chier. Et derrière. Rien du tout. Solgaleo. Donc attendez, je vais mettre aussi toutes les cartes que j'ai pas. Ah, les gars, c'est comme. Ouais, c'est quand même bien, d'ailleurs. On a eu. Un petit reprint, on a eu un petit reprint, mais là, j'ai envie d'en rouvrir. Le problème, c'est que ben, les magasins maintenant limitent un peu trop à mon goût. Voilà, un coffret par personne, c'est même pas un coffret de chat. Alors, c'est même pas ta roi à un coffret, une petite machine et un petit papa goûter. Non, c'est ta roi à un, t'as pas que un de chaque. Genre, c'est hallucinant. Donc, les gars, le Godon, ben, on s'en fout. Je l'ai eu en plusieurs fois. Voilà, je vais pas le mettre sous sleeve parce que si je mets sous sleeve toutes les holos, ben, j'aurais plus de sleeve. Oh, pour les gars. Je vais vous montrer le petit chat, le petit chiffre. Ça fait dire, ah ouais, 6 minutes, 7 minutes, je pense que la vidéo va durer en fait. 7-8 minutes. Ça fait quand même pas mal parce que j'ai beaucoup parlé. Donc, on commence directement, les gars. Voilà. Yveltal. Solgaleo. Mew, je pense que c'est la plus belle holo. Reshiram, une des plus belles aussi avec. Pour moi, la plus belle, c'est Mew. Reshiram, Zekrom. Palkia et. Je sais pas. Cosmog. Très sympa. Terre, Groudon. Que j'ai eu en double, et la seule ultra rare qu'on a eu, faux professeur Shen, qui est très très belle, mais on aurait pu avoir beaucoup mieux. Faut bien avoir une deuxième ultra rare, donc c'est pas grave, les gars. Bonne ouverture, je suis vraiment content, c'est vraiment trop bien ouvrir, mais il faudrait vraiment que je retrouve. Bon, les gars, surtout pour une prochaine vidéo, et allez, ciao!